Peace and game. Salut à tous, c'est Vinska, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet Virgin Gaming, un site de paris en ligne sur sa victoire dans les jeux vidéo. Donc Virgin Gaming, j'ai découvert, on va dire, il n'y a pas très très longtemps, lorsqu'il y a une compétition où la finale se joue à Las Vegas. Bon, c'était vraiment une compétition de malade, hein, avec Bruce Granek, Aquino de Millennium, etc., Giuliano... Et trois joueurs, ont So aussi, MSO, donc So donc, qui a gagné 8 000 $, je m'en rappelle. Elle était à Las Vegas, elle a gagné 8 000 $, elle a fait top 4, je crois. Bref, donc ce site, j'ai connu comme ça. Donc Virgin Gaming, c'est quoi? C'est un site où donc on s'inscrit dessus et on peut parier sur sa victoire. Par exemple, je dis, bah voilà, je parie 2 $ que je vais gagner. L'adversaire dit, ok, moi je parie 2 $. Celui qui gagne, il remporte, alors pas les 2 $ de l'autre, mais un petit peu moins, parce que le site prend un petit peu d'argent. Donc je sais pas, 1,85 par exemple, $, enfin je dis n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment un principe qui m'intéresse beaucoup parce que ça peut donner pas mal de piment à mes matchs. Bon, je vais pas faire ça non plus tout le temps, mais de temps en temps c'est vraiment, vraiment cool. J'ai pu tester aujourd'hui, j'ai réalisé 2 matchs. Un sans enjeu financier où j'ai gagné 4-0. C'était un français qui voulait vérifier si mon compte, enfin si j'étais pas un mec qui avait créé un second compte ou quoi, il avait pas trop confiance. Et après donc j'ai joué contre un autre mec, je crois que c'est un hollandais mais je suis pas sûr, je me souviens plus très bien. Bah il était plutôt sympa au début, il a cru que j'avais créé un nouveau compte aussi. Parce que le problème c'est que quand on a pas de match de jouer, ils ont vraiment des suspicions sur nous. Parce que si vous voulez, sur le site, on voit le nombre de victoires et de défaites de chacun. Alors le problème c'est qu'après, quand on a trop de victoires, par exemple si genre j'ai 30 victoires et 5 défaites, les gens veulent plus trop jouer contre vous. Vous avez un niveau trop élevé. Donc du coup, bah il faut... Enfin, il y a des gens des fois qui recréent des comptes. Alors je sais pas, ça peut poser des problèmes. Je sais pas si tu peux te faire repérer, je pense que tu peux te faire bannir. Bah, moi c'est pas du tout le cas bien sûr, hein, mais des personnes qui peuvent peut-être un peu croire ça. Donc le mec m'a dit vas-y, on fait un petit match, 2 $. Je vais montrer ma chaîne. Je dis ouais, c'est pour ma chaîne YouTube, etc. Et ça l'a plutôt plu. D'ailleurs, il s'est abonné normalement et il m'a demandé si la vidéo va être mise en ligne. Donc c'est plutôt sympa. Bonjour. Ce qui est sympa, c'est qu'on fait des rencontres. C'est un espèce de chat en fait où les gens disent voilà, moi cherche un match pour 5 $, moi pour 2 $, etc. Invitez-moi. C'est vraiment très simple. Là, je vous mets des petits imprimés écran, des petits. Petite image du site, donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Par contre, je mets un gros bémol, enfin c'est pas un gros bémol, c'est un gros nota bene. Attention, c'est quand même des jeux d'argent, voilà, je vais pas faire comme dans la pub, attention, avec le petit message en bas. Mais voilà, faites vraiment attention, ça peut rendre très addictif, non ça peut être très addictif, donc ça peut rendre très addict. Moi je sais que parfois ça peut un peu me faire tourner la tête ou quoi, mais je me fixe des limites. Et puis l'argent que je mets sur le site, c'est l'argent que je... gagne sur YouTube. On sait pas énormément, je gagne pas énormément d'argent sur YouTube, mais je prends une petite partie, voilà, pour le mettre là-dedans. Je me dis, ce que je gagne sur YouTube, ça revient à YouTube. C'est un cercle comme ça, ce que vous m'offrez entre guillemets grâce à vos vues, hop, je vous le redonne, soit avec des packs opening, soit avec des machins, des bidules, donc, ou du matériel audiovisuel, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais vous mettre le match en intégralité que j'ai commenté avec un face commentary, enfin pas un face commentary, on voit ma caméra mais on voit pas, je me commente pas en direct parce qu'il faut se concentrer très 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 fortement. Le niveau est très très élevé, par contre faites vraiment attention, ne pas vous faire pigeonner là-dedans. Si vous allez là-dessus, si vous avez vraiment un, enfin sans vous l'inventer, bah, je vais pas dire que j'ai un très bon niveau, mais je pense que j'aurai un niveau quand même minimum, hein. Attention, c'est vraiment du très 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 gros niveau, hein. Donc vraiment, si vous y allez, bon après il y a des gens qui sont pas très forts, hein. Le mec qui joue du 4-0, ok, mais je pense que c'est un peu une exception. C'était un peu un truc qui avait pigeon, enfin c'était un français, je pense c'était un peu bizarre, donc bon, faites pas les cons avec l'argent, ça peut vite partir, parce que je sais qu'après genre j'ai perdu $, je vais mettre 4 $ pour m'attraper, on le connaît, hein, au casino, donc bon. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous plaire, let's go! Allez c'est parti pour ce match qui va m'opposer donc, je crois, si je me souviens bien, à un hollandais, pas évident à dire, pour 2 $, enfin pour 2 $, non, même pas, pour 1,80 quelque chose, je sais pas. Donc si je perds, je perds 2 $, si je gagne 1,80 quelque chose. Bref, c'est vraiment pour le symbole entre guillemets, hein, parce que bon, voilà, c'est pas non plus énorme, mais comme je l'ai dit, je connais pas encore bien le site, etc. Je vais pas non plus parier 10 $ dès le début, je prends tranquillement mes marques. Et puis de toute façon, je ferai pas des grosses sommes, hein, parce qu'il y a du gros niveau, et ça c'est vraiment un coup à tout perdre, et du coup plus pouvoir faire de vidéos dessus. J'aurais plutôt faire un peu plus de vidéos avec des sommes un peu plus faibles peut-être, mais... C'est quand même Ronaldo, la première incursion de la part de mon adversaire qui avait réussi à contourner un peu ma défense, et une frappe de Ronaldo qui est contrée, peut-être le corner qui peut être très dangereux. Oh, Varane je crois, apparemment il a mis Varane.
Alors par contre, moi ma tactique, j'ai pu la peaufiner grâce à mes abonnés. J'ai joué ce matin et j'ai pu jouer contre des abonnés 3-4 matchs, ou je sais plus exactement, 4 matchs je crois, et je me suis formé ma petite équipe du Brésil, n'importe quoi, du Real Madrid. Et donc je vais sûrement jouer comme ça, en pointe Benzema, à gauche Ronaldo, au centre Kaká, à droite. Attention quand même à Ronaldo là qui accélère, la patte de chat, c'est bien joué! Oh là, le sauvetage de Sergio Ramos! Je sais pas si le gardien l'avait, si Sergio Ramos n'était pas là, mais c'est extrêmement bien joué de la part de l'adversaire, vous l'avez vu, de toute façon, il maîtrise vraiment bien, ça se voit qu'il y a quand même un certain niveau. C'est pas des joueurs qui sont là pour perdre de l'argent, c'est logique, quand on parie de l'argent, c'est qu'on pense qu'on peut en gagner, on n'est pas non plus idiot, personne n'aime perdre de l'argent dans la vie. Donc voilà. Et je vous disais, voilà, Di Maria, voilà, à droite, Xabi Alonso et Modric en MDC, à gauche, défenseur gauche. C'est qui? J'ai un trou de mémoire là. Oh bien joué ça. C'est Marcelo, pardon, n'importe quoi. Au centre, Pepe et Sergio Ramos. Et à droite, Cuentrao. Modric sur le côté gauche, il accélère. Modric, peut-être c'est bien joué ça pour le centre. Peut-être on s'est bien joué. J'ai bien réussi à... Je sais pas trop quoi dire là. J'ai bien réussi à éliminer mon adversaire. Mais malheureusement, Modric qui reprend cette frappe. Un peu trop faiblement, je dirais. Et ça va sur les gants du gardien. Attention à Ronaldo, la patte de chat encore une fois. Il est très technique mon adversaire. Oh Ronaldo, c'est magnifique, Xabi Alonso. Oh la parade de Casillas, on sent qu'il y a du niveau, je vous l'avais dit. Hein. Par contre, on n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour en gagner. Et franchement, il y a du gros niveau. Alors certes, le premier match, j'ai gagné 4 buts à 0. J'aurais dû parier de l'argent, j'étais un peu bête. Mais bon, d'un côté, je n'ai pas pris de risque parce que je savais pas trop comment ça se passait, etc. Alors par contre, un petit détail, hein, ça que je ne l'ai pas indiqué, mais... En gros, lorsque vous acceptez un match... Oh, c'est bien joué, Ronaldo. Ronaldo qui s'incruste sur la séance de réparation, la frappe de Ronaldo, la parade de Casillas. Quand on accepte un match sur le site, il est directement lancé sur l'EA Sports Arena, sur la Xbox. Oh, la tête, dommage, de la part de Sergio Ramos qui était monté très très haut, mais qui n'arrive pas à rabattre le ballon. Et donc du coup, après, il n'y a plus qu'à accepter le match. C'est vraiment super bien fait. Franchement, au niveau des bugs, etc., n'ayez pas peur là-dessus. Il y a très peu d'arbitrage, etc. C'est bien. C'est mieux que les sites comme l'Event Play, etc., où il y a toujours de l'arbitrage parce que les gens ils ont la rage. Franchement, c'est un truc automatique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'administrateur qui doivent. Oh la frappe! Oh, ça passe à côté! De la part de Di Maria. Ça chauffe beaucoup là. Ça chauffe vraiment fortement sur mon but. Et donc, oui, juste pour terminer par rapport à ça, c'est vraiment très fluide, hein, c'est ergonomique, etc. Un site que je recommande très fortement pour les personnes qui veulent parler de l'argent comme ça. Allez, Ronaldo qui s'est fait un peu bouger par mon joueur là. C'est une touche pour mon adversaire. WNP08. WNP08. Je dis ça pour lui parce que peut-être qu'il regarde la vidéo. Il a dit que voilà, il allait s'abonner, etc. Qu'il a regardé la vidéo. Mais vous le voyez, hein, franchement. Ça se voit qu'il y a du niveau quoi, et ça fait plaisir aussi. C'est ce que je recherche aussi. Vous savez pas exactement, vous savez pas encore le score qu'il va y avoir dans ce match. Moi je le sais bien sûr parce que je commente pas en direct, alors que là il y a hors-jeu. Mais sachez que j'ai eu pris énormément de plaisir. Enfin, il y avait une intensité parce que j'ai jamais joué de l'argent de ma vie hein, sur FIFA. Alors sachez qu'il y a d'autres jeux, il n'y a pas que FIFA, hein, je tiens à le signaler également. Et c'est vraiment énorme de. Enfin, je sais pas. C'est vraiment super. Bon, en vrai, bien sûr que. Je ferai jamais des matchs à 100$, hein, jamais de ma vie, hein, ça c'est clair et net. Parce que voilà, c'est trop de pression. Puis c'est le jeu FIFA, c'est quand même assez aléatoire parfois. Donc, faut pas non plus parier beaucoup d'argent. Je pense que 5$, ça peut être pas mal. Après, pour les petites folies, 10$, mais bon, pas plus non plus parce que ça peut vite après nous monter la tête. Allez, Ronaldo sur le côté qui accélère. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il va peut-être pouvoir se relever rapidement. Non, malheureusement, c'est récupéré par Cuentrao. En tout cas, vous le voyez, dans ce début de match, j'ai un petit peu du mal, mais. Je vous cache pas que j'avais un petit peu de stress, un petit peu de pression, mais c'est super parce que le problème c'est que moi, à chaque fois que je joue contre des adversaires en, je sais pas, des trucs comme ça en compétition, des choses comme ça qui sont vraiment avec, voilà, c'est pas un classement online, c'est vraiment quelque chose d'important pour un tournoi ou quoi. J'ai toujours une petite pression, j'ai du mal à jouer sereinement entre guillemets, donc ça me fait vraiment du bien de pouvoir m'entraîner. Oh la belle défense de Modric et l'arbitre qui ne siffle pas heureusement parce que s'il y avait penalty, ça aurait été vraiment très cruel pour mon équipe. Et bien joué de la part de Xabi Alonso qui reste debout sur ses appuis, qui relance sur Cristiano Ronaldo. Ronaldo sur le côté gauche avec Marcelo maintenant qui peut lancer Kaká.
Et ouais, comme je disais, donc ça m'entraîne vraiment à supporter la pression. Parce que voilà, même si c'est pas beaucoup d'argent, c'est quand même un petit peu d'argent, hein. Oh, la belle frappe, bien joué. Et bah bien sûr, l'argent c'est quand même quelque chose. Donc quand on joue de l'argent souvent, on se concentre un petit peu, etc. On se met un peu en condition de compétition, hein. Je vous cache pas que là, si je veux mettre un but de PES, je le mets direct, hein. C'est la compète, on réfléchit pas. Y a pas de... Je vais mettre des beaux buts absolument. C'est un but, c'est un but. Après, je suis d'accord quand c'est des séries. Sur ma chaîne YouTube tranquillement, il n'y a pas d'enjeu spécifique, bien sûr, hein, mais là quand même, il y a de l'argent en jeu, donc c'est la compétition avant tout. Après, oui, sachez aussi, parce que vous pouvez vous dire, ouais, mais bon, comment vous savez que l'adversaire il va pas être chiant, qu'il va gagner du temps, etc. Il y a des appréciations, donc si le mec il fait le con, et imaginons que mon adversaire il marque un but, après il gagne du temps dans son camp, et ben il y a des appréciations, on voit plein d'appréciations, etc., positives ou négatives, il y a un petit commentaire, on est obligé de mettre un commentaire quand on me donne une appréciation. Par exemple, négatif. Il a gagné du temps en fin de match, positif, vraiment très beau match, rien à signaler, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, du coup, ça donne la motivation aux gens de bien jouer, de jouer proprement. Oh, bien joué de la part de mon joueur sur le côté gauche, Xabi Alonso, peut-être sur. Il y a Benzema au centre, alors je sais pas s'il va pouvoir le trouver. Non, il préfère revenir au centre. Xabi Alonso qui remet la passe à Marcelo, Alonso. Là, je commence un peu plus à poser le jeu, ça fait plaisir. Oh, la faute là, monsieur l'arbitre, mais là, l'arbitre qui laisse jouer. Et c'est une touche pour mon équipe. Donc voilà, après bon bien sûr il peut toujours avoir un mec qui met négatif alors qu'il s'est rien passé parce qu'il a eu la rage, qu'il a perdu. Mais c'est plutôt rare, hein. Je pense que franchement c'est des gens qui sont là, voilà, on joue le jeu quoi. Ils savent très bien que ce système, alors que là c'est déjà la mi-temps, ce système ne sert à rien si personne joue le jeu tout simplement. Donc tout le monde joue le jeu la plupart du temps. Donc voilà, 0-0 à la mi-temps. Donc il a quand même eu des actions très franches. Si je me trompe pas, c'est moi qui joue à domicile, non? Donc ça va être plutôt équilibré, même si quand même un léger avantage pour lui. Ouais, je crois que ouais, c'était moi qui jouais à domicile. Donc un léger avantage pour lui quand même, parce qu'il y a eu des actions quand même plus franches, et puis même il a eu la petite possession de balle. Avec Cuentrao sur le côté, peut-être le centre pour Di Maria, si je me trompe pas, ou je sais pas. Peut-être pas Di Maria, je sais pas. Et en tous les cas, ça ne passe pas. Ou Kaka peut-être. Ouais, c'est plutôt Kaka. Alors pourquoi par contre Kaka est pas Ozil? C'est une bonne question. Alors je sais pas, j'ai un peu testé les deux. Kaka, c'est vrai que c'est un joueur vraiment particulier, bien joué de la part de mon défenseur Sergio Ramos. Vraiment particulier, je sais pas, c'est un joueur que j'aime bien, même si Ozil c'est vrai qu'il a le meilleur note. Je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il a Kaka dans les FIFA. Pourtant il a pas des stats extraordinaires, mais il a toujours quelque chose que j'aime bien. Après Ozil, c'est vrai qu'il fait vraiment du bien aussi, donc je verrai, je pense que je tournerai, je testerai petit à petit. Mais en tout cas, sachez que j'ai pas mal de matchs d'entraînement, etc. aussi, en plus des matchs face aux abonnés. Peut-être attention avec Benzema. Benzema qui est dans le sens du but. Oh là là, c'est très dangereux ça. Mais heureusement que j'étais bien vigilant. Je suis plutôt content parce que défensivement, même si c'est vrai que des fois j'ai eu assez chaud, je suis quand même assez solide. Je suis content parce que j'ai beaucoup joué la journée, donc je me suis vraiment entraîné parce que je ne vais pas non plus arriver faire mon premier match 1v1 du mois dans ce mode en pariant 2$. Donc je me suis assez entraîné, j'ai dû faire 6-7 matchs, je sais pas, en 1v1 en mode saison et j'ai quasiment jamais perdu. Enfin, une fois, je crois. Et j'étais content parce que j'ai quand même du bon niveau et voilà. J'étais assez content, j'ai fait quasiment que des matchs contre le Bayern, c'était assez fou ça. Moi j'avais le Real et c'était assez chaud. Alors, par contre, là vous le voyez, hein, le temps qui défile tranquillement, 0 à 0. Par contre, une. Myself in a victim solitude. Being flexible was supposed to prove that I love you. Allez, on va revenir au match. On va essayer de voir un petit peu cette fin de match, comment elle se déroule. Est-ce que j'arrive à prendre l'ascendant sur mon adversaire? En tout cas, là, petit à petit, je pense quand même que je suis un peu mieux dans ce match. Je suis un petit peu mieux. Je construis un peu plus le jeu. Parce que c'est vrai qu'au début je faisais des petites erreurs techniques, basiques, qui reflètent bien le niveau de stress. Alors que là il y avait pas mal de réussite. Attention que Marcelo qui monte aux avant-postes avec Cristiano Ronaldo dans son côté gauche. Cristiano Ronaldo le centre. Non, c'est lui qui est à domicile parce que son nom de joueur est en bas à gauche. Donc c'est peut-être moi qui ai la position de balle. Alors je suis pas sûr. Il faudra tester. Kaka, ouais je suis à droite. Alors je sais pas, ouais je crois que c'est ça. Je crois que je suis à l'extérieur en fait. Allez, Fabio Contrao avec Varane. Oh, la belle récupération de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, oh, la petite faute, c'est l'arbitre. Ça sera un carton jaune sûrement pour je ne sais qui, pour Modric. Je crois qu'il y a déjà un carton jaune en plus. Je sais pas. Attention, ça peut être très dangereux. Oh, j'ai failli réaliser le coup franc parfait.
Parce que là, je peux vous dire que si Casillas ne sort pas, ça peut faire très mal. Parce que je crois que c'est lui qui l'a boxé 2 points avec la contact de Cristiano Ronaldo. Ronaldo sur le côté gauche qui repique au centre avec Xabi Alonso. La passe pour Karim Benzema. Oh là là, heureusement que Sergio Ramos était là, c'était très dangereux. Je peux vous dire que mon cœur battait assez fortement à ce moment du match. Sergio Ramos avec Xabi Alonso, faut poser le jeu tranquillement. On est en mode compétition, je le rappelle, il faut se concentrer, c'est à moi de faire le jeu, il faut que je pose le jeu, c'est à moi de donner le rythme dans ce match. Xabi Alonso et Cristiano Ronaldo. Ronaldo, alors j'ai. Je me suis un peu entraîné tranquillement à le maîtriser, peut-être avec Modric. Non, c'est pas Modric, c'est Xabi Alonso, pardon. Oh, dommage. Je suis tranquillement mis un petit peu dans les conditions pour contrôler Ronaldo, parce que même si c'est un joueur extraordinaire dans le jeu, il faut quand même un petit peu se mettre au diapason pour bien le contrôler. Et le but! Le but de mon adversaire Cristiano Ronaldo qui marque pour mon adversaire WNP08 à 73e minute de jeu. Le Portugais qui vient libérer son équipe et qui vient pour le moment donner ma première défaite hein, dans mon premier match en jeu. Ce qui serait assez triste, je vous l'avoue. Allez, Benzema. Kaka. Benzema. Benzema la passe maintenant. Dommage, c'est très très dommage ça, c'était bien joué. Va falloir que je donne tout maintenant cette fin de match pour essayer d'arracher le match nul. Au moins. Cristiano Ronaldo qui accélère. Cristiano Ronaldo. Oh la belle défense de Sergio Ramos, mais j'ai réalisé une faute, j'étais obligé. J'étais obligé, c'est vraiment très difficile. Mon adversaire est très très bon. Ronaldo, ça peut être très dangereux pour le coup franc. Oh la parade de Casillas. Et ça va être un corner maintenant tiré par Di Maria. Non, ça va être Xabi Alonso finalement. Ah, Xabi Alonso, le corner, c'est directement dans les bras du gardien. D'Iker Casillas qui est tout simplement énorme dans le jeu, on le sait tous. Et le temps qui défile, il reste bientôt maintenant plus que 12 minutes. Et pour le moment, c'est la victoire pour mon adversaire. Allez, Ronaldo, bats-toi. Xabi Alonso. Tranquillement, qui a voulu lancer son coéquipier sur le côté droit, mais mon défenseur, ou plutôt, ouais, Marcelo était là, était vigilant. Allez, Marcelo. Cuentrao. Modric. Ozil. Xabi Alonso. Avec Karim Benzema. Modric, peut-être, c'est bien joué! Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me sens très fort devant le but, j'aurais peut-être dû aller. Là, j'ai fait une grosse erreur, je pense. J'ai fait une grosse erreur dans ce match. Je pense que j'aurais dû faire quelque chose de plus spontané, peut-être frapper, je sais pas, mais pourquoi je suis revenu, je sais pas, j'ai voulu trop assurer. Ça, le problème aussi, quand il y a de l'argent en jeu, c'est qu'on veut des fois trop assurer, on prend pas assez de risques. Et je pense que c'est le mec qui prend le plus de risques parfois, qui peut gagner le match. C'est comme dans les compétitions de FIFA. On veut trop faire le jeu parfait. Et ben, à force de faire ça, on tire jamais et on marque pas. Et le mec qui tente sa chance de l'extérieur de la surface, il marque. Oh dommage, oh dommage. Allez, il reste 4 minutes, il faut arracher la victoire. Peut-être là, au match nul au moins. Marcelo. Fabio Cuentrao. Di Maria. Qui accélère sur le côté droit. Di Maria. Kaka. Fabio Cuentrao. Di Maria. Ça joue bien. Allez, reste 1 minute 30. Modric, allez, faut créer le jeu. Peut-être là, c'est bien joué. Oh, magnifique action! Oh, la parade de Casillas! La parade de mon adversaire! Oh là 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 là, c'est peut-être le match qui vient de filer entre mes doigts, pardon. Ou aurais-je une autre action? J'en suis pas sûr. On est à la 90e minute. Ça semble très compliqué. Oh la parade de Casillas! Et quelle action! Quelle action que j'ai réalisée! Oh, elle était magnifique, la petite talonnade! Oh, je m'en veux, mais je pouvais pas rien faire de plus, hein, j'ai frappé. Allez, c'est pas terminé, peut-être une dernière action. Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, la passe maintenant pour Kaka. Oh non, faut pas perdre ce ballon, faut se battre jusqu'au bout. Il faut peut-être arracher le match nul. Ronaldo, Kaka, Kaka maintenant avec Di Maria, c'est pas terminé. Di Maria la frappe et le coup franc. Oh, le coup franc. Oh, c'est le coup franc la dernière chance. Si je marque, je fais match nul. Bon, je sais pas ce qui se passe, s'il y a match nul, s'il y a les prolongations, si c'est la victoire. Peut-être Cristiano Ronaldo, la première salle. C'est pas terminé peut-être. Oh, c'est incroyable, cette fin de match est incroyable. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, papa, il y a beaucoup d'argent. Regardez l'action de fou que j'ai loupé juste avant le match et la transversale que je viens de réaliser. Voilà, ça sûrement être la fin du match, peut-être avec la récupération de balle. Non, voilà, c'est terminé. Voilà, j'ai perdu. J'ai perdu 2 dollars, les amis. Et mon adversaire a gagné 1 dollar quelque chose.
Oh, c'était un match de fou en tous les cas. Rien qu'en le commentant, je me rappelle comment c'était un match de dingue. Et quand je l'ai vécu en direct, c'était vraiment de la folie. Mais qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vécu des émotions que je vis très rarement en jouant à un jeu vidéo. Alors c'est ça. Si vous avez vraiment, voilà, si vous êtes majeur, vous avez par exemple un salaire ou quoi, franchement, c'est rien du tout, 10 dollars et tout. Bon après, enfin, c'est rien du tout. Ça dépend, c'est relatif, mais je veux dire, si vous voulez vraiment vivre des sensations que vous avez jamais vécues dans un jeu vidéo, ça peut être vraiment super. Par contre, faut vraiment avoir un très bon, enfin, avoir au moins un bon niveau. Attention, par contre, n'allez pas là-bas. Avec de l'argent et vous faire pigeonner tout votre pognon. En tout cas, voilà, pour vous dire que l'adversaire à la fin m'a dit vraiment super match et tout, t'aurais dû marquer, etc. Vraiment sympa, donc c'est bien aussi, on peut se faire enfin pas des amis, mais des contacts, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était Vin Sky, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, et si vous voulez que je refasse des matchs comme ça en jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un pouce vert, sinon je comprendrai. S'il y a des pouces verts, c'est que j'en ferai. Peace and game. Ou qui va jouer avec le Real Madrid. J'annonce Clarence PSG 92. Le PSG, yeah. Ici, ici. À ma droite, un joueur qui a été tiré sur Twitter. Il jouera avec l'équipe d'Italie. J'ai nommé KOS X Lucho.